Yo les gens, c'est Mauvais Dièse et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Mat44 sur les Sims 4, comme on avait dit, n'est-ce pas monsieur? Bah oui, j'espère continuer. Et vous aussi, regardez, j'ai une petite girl là, hein, elle vous fait bander, moi je dis comme... Oh le mauvais mot, il dit. Bon, on va emménager, hein. Comme d'hab, regardez, avant d'emménager, on est à Willow Creek, on va pas aller ici parce que regardez, c'est pas top, hein. C'est mauvais. Les maisons sont trop chères et puis il y a que une chambre. Que dans celle-ci là, elle est pas très chère. J'ai 20 000, elle vaut 13 663. Il y a deux chambres et une salle de bain. C'est ça correct. Fait 24 sur 15, donc c'est bien. Meublé, bah, bien sûr. Il y a plusieurs choix, les gens. Vous pouvez la meubler vous-même ou. Ouais, ça voilà. Vous ruine la vie. Vous pouvez meubler, vous pouvez. Regardez-moi cette beauté hein, royale là. Pou, pou, pou. Attends, on va te mettre pause, tu veux quoi? T'as besoin d'aller... As-tu vu le nom de l'épisode? Quel nom d'épisode? Cottage du Torquay. Ah, c'est le, nom du quartier, ça, je crois. Eh bah, le nom, franchement. Alors, attendez, moi... Au début, je suis obligé. Parce que... Je vais pas me casser la tête. Regardez les gens. Moi, je vais lui faire un... Je vais lui donner un ordi. En bleu est pas mal. En bleu. Allez, en bleu. Hop. Pour l'instant, elle aura un vieil ordi, je pense. Ouais, non, elle aura celui-là direct. Ah, en gris, il était pas mal. Il est pas mal en gris. Hein. Mmh. Hop. Et une petite chaise de bureau. Celui-là, là, il est pas mal. En rouge. Non, ça va pas être le gris. Allez, hop. Comme ça, à son petit PC, elle casse la tête à le personne. Le lit, ça change pas. Non, non, ça reste comme ça. Bon, voyez les gens. Hein. Comme ça, elle a besoin de divertissement. Elle va commencer à faire sa geek. Désolé, j'ai des renvois acides. Allez, comment elle joue? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue au Sims 2 ou 1. Sims 1, c'est 1 ça. Allez hop, t'as eu assez de divertissement. Tu vas aller pisser un coup, ma vieille. Elle a besoin de parler avec des gens. Avec qui la compétence jeu vidéo. D'accord. Allez, va pisser, ma vieille. Et après, j'ai la flemme d'utiliser le téléphone. Trouve un emploi. Allez, trace ta route là. Nous trouver un job. Donc moi, comme j'avais dit avec ma mat, elle va travailler dans le... La cuisine. Culinaire. Le lundi, le mercredi, le vendredi, samedi et dimanche. De 15 euros de l'heure. Non, de 16 à 1h du mat, quoi. Waouh, ça fait beaucoup. Et là, t'es assistante de lave-vaisselle. Alors, tout le monde peut préparer un dîner ou une boisson. La carrière culinaire est destinée à ceux qui veulent passer au niveau supérieur et gagner leur vie en cuisinant. Branche professionnelle, clé et mixologue. Mais pour l'instant, t'es assistante de lave-vaisselle. Ah, je fais la cuisine. Non, ça veut dire qu'il fait la plonge. Ouais, je fais genre la plonge. On va vous montrer un peu, pour ceux qui connaissent pas le jeu. Il y a Agent Secret. C'est pas vraiment top. Il y a les mocs streamers, t'sais, ceux qui veulent faire du stream, faire du e-sport. Il y a auteur et compositeur. Moi, je pense que c'est que auteur. Il y a peintre. Peintre, c'est pas vraiment... Criminel. Ouais. C'est pas bien que il est criminel. Hein. Culinaire, c'est ce que je veux faire. Artiste. Et astronaute. Et là, il est stagiaire. Et il gagne beaucoup, hein. 26 $. Ouais, hop, culinaire. Et voilà. Ah, t'as ton job, ma vieille. Et tu as vu quand est-ce que tu commençais? Je commence avec le job lundi. Parce qu'on commence toujours le dimanche. On arrive dans le job dimanche. Attends, mais pause. La vaisselle trois fois. Ça marche. Déjà, faut qu'elle aille bouffer, je crois. Ouais, bah, il est pas l'heure. Il est quelle heure là? 9h. On va aller bouger au parc. Histoire de se faire des amis. Mes play déjà. Donc, pas démissionner. Non. Tu viens à peine de commencer, la fille, elle va déjà démissionner. Quoi. Allez, vas-y. Tapote sur le téléphone.
Ting ting ting. Ouais, comme je te disais avec ma mat, les vidéos durent 30 minutes. Pas plus, pas moins. C'est mieux. Alors, le parc est là. Il s'appelle Magnolia. Ils vont le voir au début, après le chargement. Ils l'ont même pas vu. Ah, les bâtards. Alors, il y a qui est intéressant ici? Il y a une grand-mère. Stéphanie Durand. Vladimir. D'accord, dans mon ancienne partie, c'est la... C'est le mari de Sonia Gothic. Et ça, c'est Justine Bernard. Bon, allez, on va discuter avec elle, histoire de se faire une petite amie, une amie, quoi. Un jour ensemble. Allez, elle arrive. Elle court. Allez, hop, un petit jogging. Madame Grenichon. Vous avez vu? Il y en a un qui dort sur le banc. Louis Roux. C'est pas le fils de Guirou, ça? Guirou. Demandez comment s'est passée la journée, même s'il est que 10h40 du mat. Faire connaissance. Discuter de centre d'intérêt, comme ça on va savoir ce qu'elle a comme. Il y en a un qui s'est incrusté. Et qui est lui? Perrin. Désolé pour la caméra. Raphaël Perrin. C'est le fils de. Elle est joyeuse. Alain Perrin. Elle a le même trait que moi. Allez, je vais vous montrer. Attendez, j'ai fait pause. Ferme ta gueule. Oh la tronche. Simologie, regardez. Allez, mon personnage, il est. Ma cime, elle est joyeuse, sûre d'elle, ambitieuse, très famille. Pour l'instant, elle est jeune adulte. T'as le charisme. Ouais, oui, on vient de commencer. Allez, dis, regarde la tronche qu'elle attend, personnage. What the fuck? Hop, conversation profonde. Blague sur les hommes politiques, pour propos. Hein? Qu'est-ce que... Tiens, bah, faire une imitation. Non, pas l'enlacer, on n'est pas lesbienne. Même si ça rien voir. Encore des centres d'intérêt. Comédie. T'es pas obligé d'être lesbienne pour t'enlacer. Hein. Non, j'ai pas envie de te parler, toi. T'as un... Il me fait peur, t'as un genre de fermier chelou. Une histoire délicieuse. Un jardinier, il dit, c'est pas un fermier. Non, je pas. Complimenter sincèrement. Ça part. Et toi, là, bah, dégage. Attends, lui, je vais l'insulter, grossière. Dégage, boost. Attends, après ça. Je l'entends le jeu. Non, non, non. Réagirons encore moins. Blague sur les extraterrestres. Toi, tu vas te faire insulter dans les jours à venir. C'est qui, ça? Arrête de bouger, salope. Eh, hey, toi, t'es qui? Qui es-tu, monsieur Blondinet? Zach Johnny, t'es légèrement moche, hein. Oh, t'as une tête de vainqueur, toi. Eh, toi, là, stop. T'es qui? Bob Pancake. Eh, toi, tu manges des pancakes tous les matins, quoi. Ouais. Tu l'as insulté, c'est bon? Ça y est. Un dans rouge. Ouais. Et moi, je veux savoir comment ça se passe avec elle. Barre-toi, espèce de putois! On allait passer du temps ensemble, non? Encore les 130 intérêts. Tiens, on va aller faire un petit coup de drôle. On nous a déjà tous fait. What the fuck? Pour l'instant. Alors vas-y, papoter entre vous, on est plus sourd. Attends, c'est qui elle? Aurélie? Eh mais... Vas-y, barbe à la race. C'est encore le même. En plus t'as une sale gueule. Putain. Les gros mots, ça y va vite. Hein. C'est une mémé ou un pépé? Aucun des deux. Oh la tronche les gens, regardez. On est toute seule, Liberty Lee. Bah vas-y, tu lis. Hein. C'est pas la fille qu'on a. Eh, il y a une rousse là-bas, regarde. Liberty Lee, c'est pas la fille qu'on avait vue sur internet, t'as dit? Non. Oh là là, Clémence Bernard. T'es sûr? Encore un Bernard, attends. Laurent Leroy, Laurent. T'es sûr, Liberty Lee, c'est pas celle qu'on avait vue sur internet?
Je sais pas. Ah si. Tiens, on avait vu un live qui en avait une. Ah, peut-être bien. Qu'elle voulait faire mourir. C'est bon, elle est partie. Il est parti. Eh, hey, qui t'a dit de discuter avec le pépé là? Bon bah vas-y. T'es une ordure. Vas-y, j'ai envie de lui donner une tarte. Oh, ça a donné. S'excuser, non, tu t'excuses. Insulté. Taquiner, mais malicieuse. Oh là là, attention. Dis-moi pas que t'as aimé. Ah, le bâtard, il a aimé quoi. Bon allez, va te faire mettre là, on a pas envie de parler avec toi. Va t'asseoir là, toi. Non, pas aller ici, tête de pige. T'assois. Il est pas mal, lui. Ah ouais. Tu t'appelles comment? Philippe Blanc. Ah, bah, t'es pas si blanc que ça. Je suis pas raciste déjà, hein. C'était juste une blague. Et là, il a pas aimé, il est en colère. Oh putain! Il a pas aimé que je le tartine. What the fuck? André Sanchez. Ah si, elle a une chaise. Stéphanie Durand. Regarde moi comme elle est classe. Avec les boobs. Dennis Tardol. C'est peut-être son intérêt. Non, non, pas de chose. Comment se passait la journée? Il est 13h, presque 14. Scandaleuse. On va mentir sur la carrière, je vais pas commencer. Crier sur moi. Faire connaissance, il dit. Faire connaissance. Bon, allez, on va le laisser faire ça déjà. Bon, alors, c'est qui gagne? Allez. Ah, mais tu perds. Hein. J'avoue, j'ai abusé quand même là. Et tu sais, on a mis les bonnes chasseurs. On peut faire quoi d'autre? Mister Noël. Il est snob. Oula. C'est pas top ça. Hein Passer sur les ingénieurs. Ah oui, je vois la poignée de ma vibrante. Tu vas rigoler quand tu vas voir ça. Il n'y a pas une baffe, lui tu vas pas lui mettre des baffes. Hein. Une humeur beauté. Hop, deux sur la poignée. Eh bien, la main passe à travers son corps. What the fuck, le mec? Casse-toi! Je l'ai fait tout à l'heure. Je rigole, les gens. Je ne l'ai pas encore fait. Bon, je pense que ça sera tout pour ce moment on passe avec ce mec. Si tu fous solo le Rémi là. Eh hey, Rémi. Ah papy. Ah chez moi. Donny Kim. Il parle solo ou c'est WAM? Un papy qui est sorti de la maison de retraite. Oh, y'a un agent secret. Il parle, les gens, ils parlent tout seul. Un agent secret derrière. Oh le mazout. Attendez, pause. Rick Lewis. Il est pas mal lui aussi. Eh bah ben, vas-y. Allez, vas-y. Annotation amicale. Oh, je tasse. Tu vas où? Cours-toi, là. T'es où? Oh, cours-toi. Ah non, il vient carrément à elle, quoi. C'est le mec qui se fait bien désigner. Annotation amicale. Au revoir, mec. On s'est passé la journée, faire connaissance, discuter de centre d'intérêt. Pour l'instant, les gens, hein, on va juste rencontrer des gens. Matérialiste, ah, ça peut être une bonne chose. Hein. On va juste se rencontrer des gens pour l'instant. Après, on va se concentrer sur le boulot. Sur les vampires. Ça, ouais. Après, on va juste se concentrer au boulot. Les jours du travail et après les jours de repos. Blague. Toc toc qui est là. J'ai déjà fait. Ah ouais mmh. Ah, c'est bien alors. T'es tranquille. Tranquille. Okay.
Dites-nous, hein, les gens, si vous avez aussi, vous, le jeu. Et si, ce que vous en pensez de ce jeu. Franchement, moi, je trouve qu'il est classe. Certes, il n'est pas aussi complet que les Sims 3 pour l'instant, mais c'est le début, les gens. Faut être patient. Déjà pas mal. On va pas dire le contraire, Eddie. Ouais, il est bien. Nous aussi, hein, comment vous trouvez mon perso? Ouais, je trouve à tomber. Ouais, parce que comme je disais avec ma mère, là, on s'est dit ça. On s'est dit, ouais, il y a beaucoup de gens sur YouTube qui font des let's play avec des mecs, des persos mecs. Il y en a très peu avec des filles. Donc on s'est dit, non, pourquoi pas prendre des filles, hein, pour commencer. Bah oui. Pour modifier un peu le thème du jeu. C'est sûr. On voit que des mecs à force qui vont se poser des questions. Il y a que des mecs qui font que avec des mecs. C'est ça. Alors là, on va faire. On est des mecs qui vont jouer avec des nanas. Voilà, bref. On n'est pas sexiste, hein, vous inquiétez pas. On est juste là pour vous divertir. Que ce soit. Au moins. Alors, il est sûr de lui, il est glouton. Ah, il est en train de bouffer, lui, hein. Quel gros porc. Ah ouais, tu parles avec la gueule maintenant. T'as déjà parlé avec elle, tu t'es pas embrouillé avec elle. Bon allez, stop, là tu vas rentrer à la maison. Ça va être super, cool. Toc. Allez, vas-y. Et hop là, le chargement. C'est super. Tu rentres à la maison. Donc je vous dis comment il s'appelle le perso. Enfin, la sim. Elle s'appelle Laetitia Taker. Et pourquoi Laetitia Taker? Comme ça. Alors, t'as envie de quoi? T'as la dalle. T'as épuisé déjà. Ça serait une bonne chose. Tu vas prendre ta douche. T'as besoin d'inspiration pour la cuisine. Après, tu regardes la télé, Eddy? Non, le divertissement, il est bien. Bon, ok. Dîner. Salade du jardin, c'est bon. Hop. Allez, tu traces ta route. Prends ta douche, il est beau ton cul, non, je déconne. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Non, rien, on n'a rien dit. Allez, on va regarder comment on fait la cuisine. T'es bien amélioré, il y a une détection de faux. De fumée. On aurait dit que dans le son, on aurait dit qu'elle avait dit super bonne. Compétence cuisine. Elle fout pas le dao, hein, fout pas le feu, crame pas. Hein. Sinon. T'en vas avancer. C'est bon. Ah, pour une première, elle est bien. C'est pas mal. Ah ouais. Allez, vas-y. Après, tu vas faire quoi? Après, tu vas aller. Dormir. Bon, tu vas regarder un peu la télé, et t'avais raison. Après, viens à dormir. Alors, elle, c'est besoin de cuisine ou la cuisine. On s'est bien fait les deux en même temps. Eh, hey, t'obéis quand tu dis que moi, avec moi, ça va pas être comme ça. Tu fais ta vaisselle. T'es censé faire la vaisselle. Allez, et voilà. 2 sur 3. Maintenant, demain matin, avant de partir, tu feras la vaisselle. Bon, il est que 20h. Tu vas continuer de regarder la télé vu que t'as juste regardé la télé pendant que tu bouffais. Tu regardes quoi la télé, tiens? La cuisine, t'as dit. Ouais, mais regarde comment ça fait. Ah, la blague. On dirait qu'elle regarde du cirque. Sérieux, rien. Cuisse rouge contre cuisse bleu. Qui va gagner? En train de flamber. Oh, les mêmes pieds. Ah bah c'est ça les chefs custo, il dit. Allez hop, tu vas arrêter un peu la télé. Tu vas retourner épicé. Tu commences à quelle heure demain? 16h. Tu peux te poser, tu vas aller dormir, tu vas te lever tôt comme ça. Tu vas te lever tôt. T'inviteras ton pote là, le négro. Il a besoin de manger, lui, sans arrêt. Ouais, monsieur Glouton. Et qu'est-ce snob?
tout cas, en espérant que les gens, ça vous plaira, hein, cette vidéo. Je l'espère. Ce petit let's play. Hop, bonne nuit. Hé, hey, doudou, quoi mon petit frère. Non, je rigole. Hop, c'est parti. Voyez la vitesse. Vous imaginez les gens si on dormait aussi rapidement que ça? Ah, le temps passerait vite. Bah, on serait tranquille. Hein. Ça se bouge dans le lit, mon pote, laisse-nous. Je me demande ce qu'elle fait. 4h du mat, tu te lèves. Elle est heureuse dès le matin. C'est plutôt pas mal. Allez, lève-toi, pucelle. Et là, tu vas te prendre une douche d'inspiration, parce que tu vas travailler aujourd'hui, donc il faut que tu aies un minimum d'inspiration. Tu vas prendre ton petit déj. Les yeux brouillés. Allez, trace ta route. Ah, au moins c'est bien, t'obéis, tu prends la bouffe direct. Par contre, si tu fais pas la vaisselle direct, je te déglingue. Je t'ai à l'œil. Ça me regarde comme un mange. Fais la vaisselle. Ça, c'est une femme modèle, ça, mon pote. Tu vas voir, le négro, il va pas résister. Et maintenant, tu vas appeler. Il est 6h du mat. Ça m'étonnerait que le monsieur négro veut venir. Est-ce que monsieur négro... Elle est confiante. Eric dort, d'accord. T'es qui toi? Laurent Leroy, on l'a vu tout à l'heure. Elle est confiante, ton personnage. Ouais. Donc du coup, on va essayer d'appeler l'autre. Il va me dire, il dort lui aussi. Ah, il va arriver. Ah, lui, moi, c'est un lève-tôt. Salut, mec. Ça va, mec. Il va taper. Entrez. Invité à entrer. Voilà. Allez, on va continuer, ce sera incroyable parce que je suis confiante. Blague sur les canards. Poser un plan fou. Frimant mon sens et muscles, je suis pas un mec. Il est extraverti. On va pas demander comment s'est passée la journée parce que la journée vient à peine de commencer. Discuter de son intérêt, on va en savoir un peu plus sur lui. Une histoire drôle. À la poignée vibrante, apparemment, il kiffe ça, le monsieur. C'est un petit coquin. Les gens, franchement, vous aimez, franchement, ça vous peut pas marrer comment les cibles s'y réagissent. Quoi, les... Il a du mal à regarder dans les yeux. Ouais. Une histoire délicieuse. Vous voyez que ça monte, hein, discussion, conversation agréable. Philippe est blasé. Ah, c'est pour ça qu'il a une tête aussi dégueulasse. Il est blasé, le mec. Attends, moi, je vais le déblaser. Je vais l'insulter. Mutation. Oui. Allez, là, Philippe, sois déblasé. Là, il va plus te blaser avec ça, moi, je le dis. Putain, il est encore blasé. Oh, mec, tu fais quoi? Comédie. Ah voilà, là il est heureux. Hop, désolé les gens, petite caution. Il est morose. Ça se verra pas au montage, les gens, désolé. Vous savez, hein, les parents ils sont casse-couilles. Qu'est-ce que ça veut dire par morose? C'est ce qui marque, il est morose. Apparemment, on connaît tout sur lui. Hein. Ouais. Ah, apparemment, il a une conjointe, Émilie Blanc.
C'est celle qu'on a vue tout à l'heure, ça? Je crois pas. Si, ça me dit quelque chose. Regardez, là, je peux lui demander, hein, quand même, s'il est célibe, mais... Et elle me dit, ah non, je suis pas célibataire. Tu vas où? Tu vas pisser? Eh, tu vas où? C'est quoi, t'es l'ordi, là? Eh, hey, mec, je suis en train de te parler. Tu te casses. Oh. Il a pris ses aises, en fait, chez toi. Viens là, je te demande si t'es célibe. Plus de choix. Ah d'accord, c'est la fille qui se déplace maintenant. T'as déjà vu ça, Eddie? Non. Et allez, les gens, ça va être marqué, non? Je suis avec Emily Blin. Voilà, marié même, il est marié, Emily. Bon bah les gens, il est marié, bien. Ok. Tu t'es assis sur le lit, toi, tiens bien. Ah, ouais. Moi, je me rappelle, si, comme ça. Faire les yeux ronds, regardez. On va jouer avec lui. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Demandez... manière malicieuse. Ça, ça va faire monter un peu de malice. Sur les coins-coins, encore. ouais, dans cet épisode, hein, c'est le début, les gens. Hein, ça va pas être fameux, mais... exprimer son admiration. Ouais, bon, apparemment, on l'admire. Au fur et à mesure, on le fera progressivement. On sera ouais, bien après. C'est ça. Plus de choix. Amical. On va pas l'enlacer. Conversation profonde. T'as été en manque de rien, toi. Bon, ça va. Oh, je te cause. Lâche l'écran, là. Ouais. On va te faire la... éliminer sa journée. Ah, ça, elle est heureuse, maintenant. Ouais, lui aussi, là. Ouais. Complimenter sincèrement. S'excuser, apparemment. Je vais m'excuser d'un truc, mais je vois pas de quoi. À blaguer sur les hommes politiques. Tu es au courant que François. François, là. François. Désolé pour les bruits extérieurs, hein. Hein, désolé. Ouais. Ça, c'est les voitures, ça. Les voitures, en espérant que ça s'entende pas trop, mais je pense, je sais que ça va s'entendre. On va imiter quelqu'un. Drôle. Le canal, un politique. Bon, allez, on lui remet ça. Et après, on va, on va lui demander de partir. Dégage. Il est pas mal comme jeu. Tu l'as déjà dit. Ah mais moi c'est mon impression personnelle. Hop, utiliser les toilettes. Après, ouais, pas besoin d'une bonne douche. Griller. Ouais, vite fait. Hein. Prendre le brunch, tiens, allez, hop, les œufs brouillés comme d'hab. Le téléphone qui sonne. Il t'appelle. Ah, attends, ici. Non, j'ai pas envie d'aller chez toi, mec. Non, là, chez toi. Non, non, il voulait venir passer du temps chez lui, je crois. Mais de toute façon, même si c'est ici, j'ai pas envie. Il attendra. Le prochain épisode. Vas-y, fais ta bouffe. Ouais, bravo. Niveau 2 de ta compétence. T'as été une bonne cuisinière. Une sexy cuisinière. Avec la bouche de ouf. Tu manges, s'il te plaît? Allez, vas-y, mange plus vite. Dans moins de ouais, elle pense à elle-même. Dans moins de 4 heures, tu commences à travailler. C'est pas grave. Hop, tu fais la vaisselle. Et après, tu vas te prendre une petite douche quand même. Hein. Allez, inspiration. Et après, on se laisse là, les gens. Et voilà. Hop. Comme ça. Nettoie par terre. T'essuie et après on se laisse là. Voilà. Bon bah les gens. Je me tourne. Encore. Voilà. Voilà. Un petit zoom sur sa tronche. Tac. Bon les gens. Attendez, je me pose. Voilà. Juste au moment qu'on la regarde.
Bon les gens, espérons que cet épisode vous a plu, hein, comme d'habitude, hein, vous connaissez la technique. Un petit pouce vert pour nous remercier et nous montrer que vous avez adoré cet épisode. Commentaire, si vous avez des choses à dire. On aimerait bien que vous ayez des choses à dire, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui commentent. Ah, il faut le faire. Hein. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Ouais, à suivre. Allez, les gens, à la prochaine, tchuss. Tchuss.